Deutéronome, chapitre 18. Nous lirons à partir du verset 9. Quand tu seras entré dans le pays que Yahweh ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à faire les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille. Personne qui pratique la divination, l'astrologie, l'augure, la sorcellerie, ni d'enchanteur qui use d'enchantement, personne qui consulte les médiums ou dise la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à Yahweh, et à cause de ces abominations, Yahweh ton Dieu va chasser ces nations-là devant toi. Tu seras intègre avec Yahweh ton Dieu, car ces nations que tu vas posséder, écoute les pronostiqueurs et les devins. Mais à toi, Yahweh ton Dieu ne le permet point. Yahweh ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Selon tout ce que tu as demandé à Yahweh ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais: que je n'entende plus la voix de Yahweh mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu de peur de mourir. Alors Yahweh me dit: ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai un prophète comme toi du milieu de leurs frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je leur ordonnerai. Et il arrivera que si un homme n'écoute pas mes paroles qu'il dira sont à mon nom, je lui en demanderai compte. Amen. Voilà, nous avons deux types de prédicateurs dans le monde. Deux types d'individus qui annoncent des messages. Ça, vous le savez. Le premier, bien sûr, c'est Dieu lui-même. Alors ici, bien sûr, les questions des enfants d'Israël. Ils sortaient de l'Égypte et ils devaient prendre possession de Canaan. C'était un grand pays. Et Dieu leur dit qu'il chassait les Cananéens à cause des abominations qu'ils commettaient devant sa face. Et quelles étaient ces abominations? Les Cananéens étaient des grands pêcheurs. Ils pratiquaient toutes sortes de choses abominables, telles que l'homosexualité, le lesbianisme, tout ça, l'impudicité, les rapports sexuels avant le mariage, la masturbation, le divorce au mariage. Ils sacrifiaient leurs enfants à des divinités, n'est-ce pas, autres qu'à Yahweh. Au lieu de consacrer leurs enfants à Dieu, pas les sacrifier, mais ils les sacrifiaient carrément, notamment à Moloch, qui était une divinité d'un peuple qu'on appelait à l'époque les Amoréens, ou les Ammonites, pardon. Alors, et Dieu dit qu'il va les chasser à cause de leur péché. Ils pratiquaient l'astrologie. Qui regarde de temps à autre l'astrologie ici? Son signe astrologique, c'est qui? N'aie pas honte. Toi, ma soeur? Voilà, c'est bien. Qui d'autre? Est-ce que tu sais que Dieu avait interdit cela? Dieu a interdit cela? Tu savais? D'accord. Mais c'est plus fort que toi. D'accord. Ok. Donc, vous devez savoir ce que vous voulez. Vous avez ici Dieu et ici vous avez Satan. Donc,
Ici, vous avez l'astrologie. Vous avez la magie. D'accord? Vous avez les devins. Alors, les devins aujourd'hui, on va dire, ce sont les prophètes dans vos églises. La plupart des prophètes que les gens vont consulter. Ah, pasteur, est-ce que tu as une parole pour moi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit sur moi, sur ma famille? Vous voyez? Les gens, ils veulent commencer un commerce, ils vont consulter un prophète. Ils ont des problèmes, ils vont consulter les pasteurs. Ce sont les devins. Vous voyez? Et vous avez la magie ou la sorcellerie. Vous avez l'impudicité. Plein de péchés. Vous avez en gros la religion que les hommes ont créée. Il y en a plusieurs. Vous avez le vaudou, vous avez la sorcellerie, la maïkarie, le maïkari, vous avez la franc-maçonnerie, vous avez la Rose-Croix, vous avez le Lions Club, vous avez le Rotary Club, il y a tout ça. Voilà. Vous ne savez pas ça, sœur? Lions Club, tout ça, Rotary Club, ce sont. Ben voilà, ce sont les vitrines de la franc-maçonnerie. Ce sont des appâts pour séduire les gens, les attirer à Satan. Voilà. C'est des choses que les églises n'en parlent pas, que beaucoup d'églises n'en parlent pas. Pourquoi? Parce que beaucoup de pasteurs, ce qu'ils veulent, c'est votre portefeuille. C'est tout. Ils vivent à crédit, hein. Donc ils veulent vos dîmes, vos offrandes. Mais vous dire ces choses-là, ils se disent, bon, personne ne va nous écouter. Et d'ailleurs, eux-mêmes, ils sont souvent au service de Satan. D'accord? Et les Cananéens servaient le diable. Servaient Satan. L'astrologie, ils regardaient les étoiles. Ils consultaient les étoiles. Et donc, Dieu dit justement aux enfants d'Israël, mais il ne faudrait surtout pas écouter ces devins, écouter les enchanteurs, les maîtres enchanteurs, les gens qui vont vous enchanter, qui vont vous envoûter. Et les enchanteurs aujourd'hui, c'est aussi, vous savez, beaucoup de pasteurs, hein, avec leur discours, ils envoûtent les gens. Vous voyez? Et les charmeurs, les serpents, tout ça, les enchanteurs, donc ils vont charmer les serpents. C'est la même chose aujourd'hui dans les églises. Et là, vous avez, bien sûr, vous avez le prophète que Dieu va susciter. C'est qui un prophète? Selon la Bible, un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu, qui vient révéler Dieu aux hommes. D'accord? Le prophète, il vient vous voir et vous dit, ne me suivez pas, suivez Dieu. Il vient dans un pays comme ici, il dit aux gens, voilà, vous êtes dans les ténèbres, là il y a le péché, là il y a la mort, là il y a l'incrédulité, là il y a les gens sont athées. Mais voilà le véritable Dieu, je vous présente le véritable Dieu. Et les gens se disent, ah oui, Dieu existe, ah oui, l'astrologie c'est pas bon, ah oui. Voilà, le prophète il vient et il dit aux gens, voilà le véritable Dieu. Donc Dieu promet aux enfants d'Israël de susciter parmi eux un prophète comme Moïse. Alors, qui était Moïse? Moïse était le prophète de l'Exode. Exode veut dire délivrance, sortie. D'accord? C'est le prophète que Dieu va utiliser pour aller en Égypte, aller attaquer, combattre Pharaon, qui gardait les Hébreux dans la captivité, en prison, comme esclave. Moïse arrive là-bas et il va démontrer la puissance de Dieu qui est au-dessus de la puissance de Satan, que Pharaon servait. Et il délivre le peuple et il l'amène dans le désert de Sinaï. Et là, Dieu suscite Josué comme aussi prophète pour faire entrer ce peuple dans son héritage. Et Dieu dit que un prophète allait venir, ou je dirais le prophète, parce qu'il n'y en a qu'un véritablement qui est vrai, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Et c'est pour cela que Jésus est venu. Il est venu faire quoi, Jésus-Christ? Mais il est venu vaincre Pharaon. Pharaon, c'est-à-dire le diable. Et à 2000 ans, comme vous le savez, il a cloué à la croix. Il a vaincu, il a dépouillé. Et non seulement le diable, mais il a dépouillé également tous les démons. Alléluia. Amen.
Mais il ne s'est pas arrêté là. Il est allé sous terre, en enfer. Il est allé là-bas prendre les clés que l'enfer, un démon et la mort avaient volées à Adam et Ève. Il a repris ses clés et trois jours après, il est sorti de la tombe, du tombeau, de la mort. Et il a dit, je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. C'est le seul à avoir dit ça. Alors pourquoi continuer à croire encore aux hommes? Croyez en Dieu, en Jésus. Alléluia. Mais écoutez, nous allons tous mourir. Mais vous rendez compte, si vous ne croyez pas en celui qui a vécu la mort, mais qui pourra vous délivrer de la mort? Amen, amen, amen. Je ne sais pas quel âge vous avez. Tu as quel âge, ma soeur? Tu as 46 ans, 47 ans, 48 ans, 49 ans, 50 ans, 51, 52. Eh bien, je veux t'annoncer une nouvelle. Si tu as 52 ans, tu sais combien de temps il te reste à vivre? 18 ans. Selon la Bible. Et pour le plus robuste, c'est 80 ans. Mais sinon, la durée d'une vie, c'est 70 ans. Et encore, si tu as 64 ans, il te reste juste 6 ans. Alléluia. Il faut s'en rappeler, parce que souvent on oublie. Donc il faut compter les années. On est en 2017. Donc 6 ans, 2017, ça fait en 2023. Alléluia. Bon, on espère que le Seigneur sera de retour avant, parce qu'on est fatigué. Hein? Amen, qui est fatigué de la terre, nous tous. Voilà. Il y a tellement de problèmes. Alors, il y en a qui vont dire, mais oui, nous on n'a pas 64 ans, nous on a juste 18 ans. Je veux te dire une chose. Ah non, moi j'ai 14 ans, j'ai encore le temps. Ah bon, qui t'a dit ça? Va dans les hôpitaux, tu vas voir que les jeunes de 14 ans, ils meurent. Bah oui. Même des enfants, même des bébés, même ceux qui sont dans le ventre. Ils naissent morts. Ah oui. Donc ça veut dire que ne pense pas parce que tu as 14 ans que tu vas échapper à la mort. Ah bah oui. Les accidents, ça concerne tout le monde. Ah bah oui. Donc, il faut être toujours prêt. Et Dieu dit, je veux leur susciter un prophète comme toi. Il faudrait qu'ils l'écoutent. Alors tu me diras, ben oui, moi je vais à l'église. Ouais, c'est pas parce que tu vas à l'église que tu es sauvé. Il ben, y a beaucoup de pasteurs qui ne vont pas au ciel. Hein? Hein? Même le pape lui-même a besoin de Jésus-Christ parce qu'il n'est pas chrétien, il n'est pas converti. Ils ont besoin du Seigneur Jésus-Christ. Aller à l'église ne sauve personne. Lire la Bible tous les jours ne peut pas te sauver si tu n'es pas sincère avec Dieu. Parce que Satan aussi connaît la parole de Dieu. Amen. Les marabouts, là, quand vous allez voir les marabouts, ils ont la Bible. Les gens qui pratiquent le vaudou, là, ils ont la Bible. Ils vous donnent des psaumes à lire. Amen. Qu'ils détournent. Ils lisent ça à l'envers. Les pasteurs, là, ils connaissent la Bible. Beaucoup. Mais pourquoi ils vont mentir? Pourquoi ils prennent les femmes d'autrui? Pourquoi ils divorcent et se remarient? Mais parce qu'ils se servent de la Bible pour leur propre, n'est-ce pas, vision, leur propre ambition. Donc vous voyez, il y a tout ça. Et Dieu dit, le prophète doit être écouté. Donc Jésus. Et un jour, Jésus, dans Jean 4, il va rencontrer une femme, la femme samaritaine. Une femme comme beaucoup de femmes ce soir. Une femme qui était fatiguée. Une femme qui était déçue des hommes. Une femme qui était abusée par les hommes. Elle a fait confiance aux hommes, les hommes l'ont trahi. Comme il y en a une ce soir. Cet homme t'a fait beaucoup de mal. Tu l'as aimé, tu lui as tout donné. Tout ça, tu lui faisais manger. Tout ce qu'il aimait. Et tu as appris qu'il était encore avec une autre femme. Alors, Jésus dit à cette femme, « Femme, appelle-moi ton mari. » Et cette femme, la femme samaritaine, dira, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. » Une femme samaritaine a reconnu que Jésus était le prophète qui devait venir. Mais beaucoup de juifs qui connaissaient la parole de Dieu, quand Jésus est venu, ils l'ont rejeté. Comme on dit ici à Saint-Martin, la parole véritable est prêchée par des frères. Mais qui veut cette parole? Ah non. Ils disent, la parole, cette parole est dure. Qui peut l'entendre?
Parce que les gens ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Ils veulent qu'on les caresse en sens du poil. Ils veulent qu'on leur dise, continue à fumer, continue à boire, continue à tromper vos femmes. Dieu est amour, il va vous comprendre. Dieu sait qu'à Saint-Marc, tout le monde est nu pratiquement. Ce n'est pas un problème. Dieu sait qu'il fait tout un chaud ici. Donc s'il y avait l'hiver, les femmes allaient se couvrir, les hommes allaient se couvrir. Parce que je vois les hommes, le bidon en l'air. Je me dis, Seigneur, mais c'est quoi ce pays-là? Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vois venir sur une île là, parce que je vais frapper sur tout le monde. Je vais prendre un fouet, frapper tout le monde. Je crois qu'ils ont fini par me tuer. Parce que je me dis, mais Seigneur, mais là, on était dans la rue, je vois une femme, maillot de bain dans la rue. Mais au Congo, on va la mettre en prison. On va l'attraper, prison tout de suite. C'est quoi là? On est à la fin. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, sauve-nous. Ouais. Pour être sauvé, il faut écouter le prophète de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faut pas seulement lire la Bible, mais il faut l'écouter. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Écouter, ça veut dire quoi? Écouter en hébreu veut dire comprendre, donc entendre, comprendre et obéir. On ne peut pas obéir si on ne comprend pas un ordre. D'accord? Parce que le prophète parle, le prophète avertit, le prophète interpelle les gens. Jésus nous interpelle en tant que prophète. En tant que prophète, Jésus-Christ a annoncé beaucoup de choses qui allaient venir. Des choses qui allaient précéder son retour. Et nous sommes en train de le voir aujourd'hui. Regardez, le monde est malade. Hein? Regardez bien autour de vous. Sur le plan politique, rien ne va. Sur le plan climatique, regardez. Tout va mal. Vous avez vu les guerres qu'il y a actuellement en Syrie, vous avez vu ce qui se passe? Regardez comment Haïti est toujours frappé par des catastrophes, tout ça. Là. Regardez bien autour de vous. Vous ne voulez pas que le monde est arrivé là, c'est fini là, on n'a plus de temps. Les hommes deviennent de plus en plus méchants. Avant, il y avait un petit peu de compassion, mais aujourd'hui, avant, on se faisait confiance, hein. Mais aujourd'hui, tout le monde est sur le qui-vive. Hein. Tout le monde fait attention vis-à-vis de tout le monde. Vrai ou faux? Ah. Aujourd'hui, on peut t'en foutre juste parce que tu as 100 euros dans ta poche. On peut te jeter un sort juste parce que tu as les chaussures. Les gens sont devenus fous, malades. Les hommes sont devenus plus dangereux que les animaux. Les animaux sauvages, quand ils tuent, c'est pour manger parce qu'ils ont faim. Les hommes tuent par plaisir. Aujourd'hui, il y a 25 ans, on voit deux femmes ensemble en train de s'embrasser, c'était rare. Elles se cachaient. Aujourd'hui, main dans la main. Dans la rue, au vu et au su de tout le monde, il y a des lois qui sont votées, on dit, continuez comme ça. Avant, pour tuer une femme pour avorter, elle se cachait. Aujourd'hui, on dit, tue et la sécurité sociale te couvre. Vous avez vu comment ces femmes vont avorter en Hollande, elles partent en Hollande, là-bas, hein, aux Pays-Bas. Même les femmes qui sont enceintes de 6 mois là-bas, elles peuvent avorter. Et vous savez ce qui se passe? On leur donne des piqûres là. Et on va rentrer un instrument dans les parties intimes et on va arracher les membres de l'enfant. La jambe, on attrape la jambe droite, on la sort comme ça. Jambe gauche, on sort la tête, on sort les bras. Voilà notre génération. Les enfants, est-ce qu'ils ont demandé à venir au monde? Non. Mais on dit aux jeunes de 14 ans, 13 ans, vous pouvez continuer, vous pouvez coucher ensemble. Il n'y a pas de problème. Les jeunes filles, amenez vos petits copains à la maison, coucher ensemble, ce n'est pas un problème. Et ce sont les parents, ce sont des chrétiens qui vont habiller leurs enfants comme des prostituées. Comment des parents dignes de ce nom, hein? Comment des parents dignes de ce nom vont-ils laisser leurs enfants là, s'habiller n'importe comment, le ventre à l'air, et le dimanche, ils vont dans les églises? Même des femmes haïtiennes qui se couvraient comme les femmes africaines, aujourd'hui elles sont complètement nues, dévêtues.
C'est le monde à l'envers. On est à la fin. Les hommes sont devenus des sauvages. Des sauvages. Vous avez vu avec les séries télévisées, excusez-moi, mais c'est des cochonneries qu'on nous fait passer à la télévision. C'est du n'importe quoi. Distraction sur distraction. Les gens sont envoûtés. Les gens sont malades. Mais c'est la fin. C'est la fin. On a dépassé de loin les Cananéens dans le péché. On a dépassé de loin Sodome et Gomorrhe dans le péché. De loin. C'est terrible. Vous avez vu? On a envoyé 5 000 euros à un frère qui priait avec nous. 5 000 euros, on lui a donné. Il est parti en Haïti avec, il est parti en mission. On lui a dit, donne les 5 000 euros là-bas à nos orphelins là-bas. Chrétien, il a détourné les 5 000 euros. Vous vous rendez compte? On est à la fin. C'est la confusion totale. Alors que les enfants, il y en a beaucoup là-bas qui mangent quoi? Qui mangent de l'argile. Du sable, de l'argile avec du sel. Et c'est leur repas. Et les bishops font quoi? Les bishops sont dans de gros 4x4. Ils sont dans de grosses Mercedes. Hein? Combien d'églises en Haïti ou ici, dans les pays pauvres, ont ouvert des orphelinats? Combien de pasteurs? Voilà. C'est la confusion totale. Et quand Dieu nous demande de parler, et les chrétiens nous disent, taisez-vous. C'est la fin. Les hommes sont devenus plus bêtes que les animaux, plus sauvages que les animaux. On ne se reconnaît même plus. On se dit, mais on est dans quel monde aujourd'hui? On est dans quel monde? Alors Dieu compte sur vous. Dieu compte sur vous. Comme quelqu'un disait tout à l'heure, le frère disait, Dieu compte sur le reste. Parce que Dieu n'a pas beaucoup d'enfants. Dieu n'a pas beaucoup de femmes sur qui il peut compter. Dieu n'a pas beaucoup d'hommes sur qui il peut compter. Dieu pleure chaque jour. Chaque jour. Vous savez, beaucoup de chrétiens, il ne faut que demander à Dieu des choses. Donne-moi ci, donne-moi ça. Mais combien vont demander au Seigneur? Seigneur, montre-nous ce que tu ressens. Fais-nous éprouver ce que ton cœur ressent face au péché. Combien de chrétiens? Très peu. Alléluia. Il te donne le souffle de vie. Il te donne la force. Il te donne à manger. Et tu penses à Dieu? Tu es égoïste. Tu penses à toi-même. Tu penses que la respiration que tu as, c'est toi-même qui l'as fabriquée? Va dans les hôpitaux, tu vas voir des gens qui n'arrivent plus à respirer. Qui doivent être assistés par des machines. Tu fais des mouvements comme ça, c'est facile, non? Mais il y en a là, ils ont fait des AVC. C'est compliqué pour bouger la main comme ça. C'est compliqué pour marcher. Des enfants de 3 ans qui ont le cancer généralisé, ils ont fait quoi pour avoir ça? Des enfants de 2 ans, alités, avec des sangs. Toi, tu manges, tu cours, tu bois, tu es en bonne santé, et tu n'as pas le temps pour dire à Dieu merci. Même pas une seconde, même pas 2 minutes. Et tu vas passer des journées entières dans les jeux vidéo, jouer. Non, mes amis, on est méchants. Et on dit à Dieu, j'ai pas le temps pour toi. Tu as le temps pour regarder la télévision. Tu as le temps pour aller surfer sur internet. Tu as le temps de regarder les dessins animés, les films. Tu as le temps pour aller convoiter, aller sur des sites pornographiques. Tu as le temps pour parler mal des autres. Tu as le temps pour critiquer les autres. Tu as le temps pour mentir. Et tu as le temps pour manger, pour boire. Et tu n'as pas le temps pour méditer la parole de Dieu, pour dire à Dieu merci de m'avoir protégé toute la nuit. Amen. Honnêtement, Dieu pleure, Dieu souffre. Il nous dit, je vous ai donné la santé, l'air que vous respirez. Je veux pousser des fruits pour vous. Je fais tomber de l'eau, de la pluie, pour arroser vos jardins, arroser vos champs. Et qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous me donnez quoi en échange? L'argent, Dieu n'en veut pas. Des vêtements, il n'en a pas besoin. Qu'est-ce qu'il veut, Dieu? Il veut juste que tu sois reconnaissant. Il veut juste que tu dises, Dieu, merci. Il veut juste que tu dises, Seigneur Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, je te donne ma vie. En échange,
de ce que tu m'as donné. Je te donne ma vie, Seigneur. Je veux te servir. Je veux prêcher ta parole. Je veux annoncer l'évangile. Même si tout le monde est contre moi, mais je ne baisserai pas les bras. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Jesus. Je cherche les instruments et Dieu dit c'est toi ma fille, c'est toi que j'appelle, c'est toi que j'ai choisi. Je veux que tu prêches ma parole, mon fils. Je veux que tu annonces cette parole là. Jesus Christ, alléluia. Il veut te oindre ce soir. Il veut te remplir de son feu, de son onction. Alléluia. Il veut mettre sa main sur toi pour que tu sois une femme de prière, une femme qui intercède pour ta nation. Oh Jesus Christ. Et une onction sur toi. Tu es une sentinelle que Dieu a établie. Tu es une sentinelle dans ta famille. Une sentinelle. Le feu ce soir est sur toi. Alléluia. Dieu dit c'est moi qui t'ai appelé. Depuis le ventre de ta mère, je t'ai mis à part pour que tu me serves. Je veux toucher ta famille. Je veux toucher tes enfants. Je veux me glorifier dans ta famille. Le Seigneur dit, j'entends les prières de mon peuple, les prières de mon peuple. Dieu dit, j'ai commencé une œuvre avec toi, mon peuple. Je veux l'achever. 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 Ils te feront la guerre, mais ils ne pourront pas te détruire, ma fille. Ils vont te faire la guerre, mais ils ne pourront pas te vaincre. Ma main est sur toi et sur tes enfants. Au nom de Yeshua, alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur t'a attiré ici ce soir pour te dire qu'il te connaît. Qu'il te connaît, qu'il voit tes larmes, qu'il voit tes combats, qu'il voit tes peines. Tout ça, il t'a donné des prophéties, des visions que tu as reçues pendant que tu dormais, des songes. Dieu dit, je veux les accomplir au nom de Yeshua, alléluia. Mais toi, demeure intègre. Demeure intègre. Sois une femme de prière, sois un homme de prière, ma fille. Consacre-toi encore, alléluia, Jésus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia. Le Seigneur te dit, il y a une porte qui est ouverte sur toi, pour toi, aux États-Unis. Tu vas aller là-bas, beaucoup travailler pour le Seigneur. Tu as beaucoup travaillé pour le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur dit, je t'envoie là-bas, mon enfant. Je t'envoie là-bas, comme tu me l'as demandé. Je t'autorise, la porte est ouverte. Mais toi, demeure ma prière, demeure ma présence. Au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur a mis sur ton cœur un fardeau pour la jeunesse. Un fardeau pour la jeunesse. Dieu dit, je veux me servir de toi, ma fille, pour la jeunesse. Tu vas proclamer ma parole, tu vas témoigner et les jeunes seront touchés. Des jeunes filles prostituées seront touchées. Des jeunes filles mères, des jeunes mères seront touchées, visitées par la puissance de Dieu. Au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Non, c'est ici là. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Il y a une onction sur toi là. Tu vas évangéliser avec le feu de Dieu, avec un vent nouveau. Et tu verras des résultats. Tu verras des confessions des personnes qui vont te voir confesser le péché au nom de Yeshua. Des délivrances qui vont s'opérer, des guérisseurs qui vont s'opérer au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur t'habille en robe de mariée ce soir au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, Seigneur, merci pour ta puissance. Alléluia, je dis ma fille, le mariage là, c'est le fait de dire avec cet homme là, tu me serviras. Je prépare un homme pour toi, tu vas servir avec cet homme, un homme de Dieu, un homme de feu, un homme de prière, un homme consacré. Au nom de Yeshua, alléluia, gloire à Dieu, Seigneur, merci pour ta puissance. Oh Dieu, roi, oh alléluia, le feu de Dieu ce soir là. Alléluia, gloire à Dieu, et une onction ici là. Oh alléluia, gloire à Dieu, Seigneur, merci pour ta puissance. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Manifestez, amène-la moi, elle aussi, amène-la moi, une onction ici. Oh, la puissance de Dieu. Amène-moi ta maman là, une onction ici là. Le Seigneur fait de vous ses prophètes. Le Seigneur fait de vous ses voix pour aller parler de sa part. Au nom de Yeshua, alléluia, voici la puissance de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ton feu. Le Seigneur veut que vous parlez de sa part. Au nom de Yeshua, alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, alléluia. Oui, une onction sur elle, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ton feu sur elle. Alléluia. Gloire à Dieu. Frappé. Alléluia. L'onction sur elle aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Merci, papa. Merci, papa. Le Seigneur te console. Il voit tes pleurs. Il voit tes larmes. Il voit tes combats. Je te connais. Je te dis, je te connais. Il est derrière ses promesses pour les accomplir. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Viens, je me suis pour toi. Viens. Seigneur, va essuyer tes larmes. Tu pleures beaucoup. Le Seigneur voit tes larmes, le Seigneur voit tes combats, le Seigneur voit tes peines.
Il veut accomplir une œuvre dans ta vie, dans ta famille, au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ma soeur, que ta main soit sur sa vie. Seigneur, qu'elle soit complètement libérée ce soir, qu'elle soit libérée. Que la puissance de la mort soit brisée dans sa famille, dans sa vie. Au nom de Yeshua, notre Seigneur le Sauveur, Seigneur mon Dieu. Qu'elle soit une femme de prière, une femme consacrée à toi, Seigneur. Au nom de Yeshua, le Seigneur veut essuyer des larmes. Le Seigneur veut être ton papa, ton père. Le Seigneur veut guérir ton cœur. Et vraiment que l'amour du Père inonde ton cœur. Pour ça, il y a beaucoup de choses qui te révoltent. Le Seigneur veut être celui qui va t'éclairer, qui va te montrer le chemin à suivre. Le Seigneur dit, tu vas être entouré de beaucoup d'enfants. Tu vas enseigner les enfants. Tu vas parler de ma part aux enfants. Tout ça, là, tu seras une mère remplie d'enfants autour de toi. Le Seigneur dit, je veux le glorifier dans ta vie. Et tu vas beaucoup voyager pour le Seigneur. Tu vas beaucoup témoigner de sa gloire. Au nom de Yeshua, le Seigneur le Sauveur. Le Seigneur dit, sanctifie-toi encore. Sanctifie-toi parce que mon esprit va te guider, va te conduire. Au nom de Yeshua, alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta puissance. Oh, il m'a sous le Dieu ici. Là. Oh, Seigneur, la délivre. Au nom de Yeshua, alléluia. La mort te quitte. La mort te lâche. Là, lâche-la. Lâche-la. Démon, lâche-la. Lâche ma soeur, lâche-la. Lâche-la. Tu es là, démon. Lâche-la. Tu vas la lâcher. Tu m'entends, tu vas la lâcher. Lâche-la. 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 Esprit des eaux. Allez, sors. Allez, sors. Quitte-la. Au nom de Jésus. Tu ne pourras pas la détruire. Tu m'entends? Dieu l'a amenée pour être libérée. Allez, lâche-la. Lâche-la. Sors des démons. Tu vas la lâcher. Tu es obligé. Tu vas la lâcher aujourd'hui. Tu vas la lâcher. Lâche-la. Lâche-la. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Voilà. Sors des démons. Sors. Sors des démons. Sors. Au nom de Jésus. Quitte-la. Quitte-la. Tu vas la quitter, c'est une reine qui est là, une reine qui la contrôle. La reine des eaux. Mami Wata, tu vas lâcher ma soeur. Il y a un gros serpent qui est là. On t'a consacré à cet esprit. Le Seigneur veut te libérer aujourd'hui. Lâche-la, 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 lâche-la. Sors! Oh Jésus, est-ce qu'on peut se lever et prier pour cette jeune fille là? Prions pour elle. Lâche-la. Et lâche-la. Elle sort, Jésus. Elle sort. Lâche-la, lâche-la. Sors au nom de Yeshua. Tu vas la lâcher. Tu as été vaincu à la croix. Tu as été vaincu à la croix. Elle n'est pas destinée à détruire des vies, à détruire les hommes. Tu vas remonter et t'en aller aujourd'hui au nom de Yeshua. Tu vas remonter et t'en aller au nom de Yeshua. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, remonte et sort. Allez, remonte et sort. Allez, remonte et sort. Lâche-la. Tu ne peux rien contre moi. Et tu le sais. Tu le sais. C'est un gros serpent qui est là. Un esprit, c'est une reine. C'est un démon qui est en forme de femme. Une reine. Et elle manipule cette jeune fille alors que Dieu l'appelle à le servir. Donc aujourd'hui, ce démon va s'en aller définitivement. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia, gloire à Dieu. C'est ta fille, hein? C'est ta fille? Dieu l'appelle, Dieu l'appelle. Tu vas lâcher ma soeur, tu vas lâcher ma soeur. Tu m'entends? Lâche-la. Qu'une femme vienne toucher son ventre, la prier au niveau de son ventre. Ça va sortir. Allez, sors. Allez, sors. Mon Dieu. Allez, sors. Sors avant le choix. Lâche-la. Allez, lâche-la. Allez, lâche-la. Démon. Jesus. Alléluia. Jesus. Oh, alléluia. Jesus Christ, alléluia. Tout esprit de colère. Toi qui veux détruire son âme, tu vas lâcher son corps. Tu vas lâcher son âme. Tu vas lâcher son âme. Tu l'as beaucoup blessé. Tu l'as beaucoup blessé. Tu l'as beaucoup blessé. Tu as beaucoup souffert, beaucoup pleuré. Au nom de Yeshua, tu vas t'en aller maintenant. Au nom de Yeshua, tu vas t'en aller maintenant.
Voyez, ce sont ces esprits-là qui poussent les jeunes filles, les femmes à s'habiller mal, à faire n'importe quoi avec les hommes, à détruire les foyers, à se détruire elles-mêmes. Waouh. Waouh. Touchez là, vous avez mal. Là. Le Seigneur délivre, guérit, libère les gens. Il libère. Problème d'estomac, quelqu'un ici, Dieu l'a guéri au nom de Nazareth. Finis ce problème, le nom de Yeshua, le Seigneur. Le problème de tension, tout ça, c'est réglé au nom de Nazareth. C'est réglé. Réglé. Oh, diabète, tout ça, c'est fini, tout ça. C'est fini. Le diabète a disparu ce soir là. La puissance de Dieu. Jesus. Alléluia, c'est Jesus. Gloire de Dieu. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Problème de palpitations cardiaques, tout ça c'est réglé aussi. Tout ça, mon Dieu, Nazareth, alléluia. Voilà, tu le Seigneur, merci mon Dieu. Alléluia. Cataracte, c'est réglé. Le Seigneur a nettoyé tes yeux. Mon Dieu, Nazareth, alléluia. Voilà, tu le Seigneur, merci. Oh, Saint-Esprit, merci. Waouh. Seigneur, merci pour cet homme. Tu guéris, Seigneur mon Dieu, Père, au nom de Yeshua, et de gloire à Dieu. Alléluia, Seigneur, merci. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Merci. Alléluia. Guéris ton cœur, là. C'est ça, hein. La circulation sanguine va se faire correctement. Au nom de Dieu. Dieu t'aime beaucoup. Dieu m'a donné, lève-toi, on attend le Seigneur pour elle. Waouh! 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 Ça va? Tu es étonné? La première fois que tu vis ça, que tu vis ça. Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as senti? Comment tu t'appelles? Ici. Ah. Tu es étonné? Oui. Tu veux suivre Jésus-Christ maintenant? Oui. Alléluia, gloire à Dieu. Qui veut le baptême ce soir? On le baptise tout de suite. Là. Qui veut prendre le baptême ce soir? Qui veut suivre Jésus-Christ, avoir le baptême ce soir? Ceux qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ, venez me voir. Ceux qui veulent recevoir Christ dans leur cœur, venez me voir, pas de soucis. Il n'y a pas de honte à avoir. C'est la première fois qu'elle vit ça. Elle, c'est la première fois. Ok. Tu as vu comment Dieu aime ta famille, t'aime, comment Dieu aime ta fille. Elle a formé de l'ordre, tout ça, de la famille, tout ça. D'accord? Gloire à Dieu. Voilà, tu peux rejoindre ta maman si tu veux. Gloire à Dieu. Elle est fatiguée. Alléluia. Gloire à Dieu. Jeune fille, viens voir. Ça va toi? Tu as quel âge? 11 ans. 11 ans. Tu aimes Jésus? C'est bien. Seigneur, venez là. Oh, je commence sur ça. Merci. La bouche, le Seigneur. Hein? Amen. Tu veux que je prie pour toi, ma soeur? Elle, là, derrière. Tu veux que je prie pour toi? Viens. Je veux que je prie pour toi. C'est ton petit-fils. Son papa est avec toi. Marie. C'est bien. Ouais. Il va marier. Il a béni cette femme au nom de Jésus.
Frère, merci. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Quelqu'un fait beaucoup de songes avec la mort. La mort rôde beaucoup autour de toi. La mort te réclame. C'est toi? Bien. C'est bien. Les cœurs, ça va sauver des vies. Et continuer à le faire, continuer à semer. Le passage que Dieu nous donne pour vous, c'est le psaume 126. Ceux qui portent la semence, hein, quand ils plantent, quand ils sèment, quand ils vont dans les champs, bah, ils souffrent. Ceux qui vont semer dans les champs, en portant la semence, bah, ils pleurent, c'est pas facile. Mais l'œuvre finira par se faire. Il y a des cœurs qui sont. Il y a des cœurs qui ont déjà reçu cette semence. Continuez à porter la parole comme vous le faites à la télévision, comme ça. Et le Seigneur va vous surprendre, le Seigneur va vous couronner. Et il y aura quelques pasteurs, pas beaucoup, quelques pasteurs qui vont venir comme les Nicodèmes, pour vous demander de l'aide dans les coulisses. Et continuez à persévérer. Que le Seigneur soit béni et puis bonne continuation. Merci.